La musique est l'unique passion de Réal Simard, issu d'une famille modeste installée à Bagotville, quelques mois après sa naissance, survenue le 30 avril 1944 à Kenogami. Son père, Jean-Baptiste Simard, tour à tour boucher et barman, et sa mère, Marguerite Sasville, femme au foyer et membre du cercle des fermières, ont un but: assurer à leurs trois enfants l'accès aux études. Pauline complète sa formation à l'école normale pour enseigner aux primaires. Paul et Réal font leurs cours classiques chez les pères Saint-Vincent de Paul à Québec. Le premier devient économiste, fonctionnaire au fédéral et professeur aux hautes études commerciales. Le second est depuis longtemps féru de musique. L'heureuse initiative de Pauline, qui investit son salaire d'institutrice dans un tourne-disque, va provoquer la rencontre déterminante entre réal et la musique. Les murs de la maison familiale résonnent sous les airs des grands opéras, des symphonies, des chansons de Félix Leclerc, Jacques Brel et Jacques Doué, ce troubadour français des temps modernes, ainsi qu'on le surnomme, pour avoir redonné voix aux chansons médiévales et folkloriques. Le jeune Simard est une terre fertile qu'enrichissent des cours de piano. À 20 ans, il écrit ses propres textes. Et se produit dans les boîtes à chansons de l'époque. Il se retrouve à la finale de Jeunesse Oblige, émission de variété présentée six jours par semaine à Radio-Canada, offrant à de jeunes auteurs-compositeurs-interprètes l'occasion de faire leur début à la télévision. Son cours classique terminé, il suit une année de formation des maîtres où il rencontre son âme-sœur, Lorraine Martel, musicienne, photographe et artisane. Originaire de Chicoutimi. Le couple qui célèbre son 50 anniversaire de mariage ce mois de juin 2019 est parent de deux musiciennes, Geneviève, violoniste, et Marie-Noël, guitariste. Diplômé de l'Université Laval, à la fois en flûte, guitare classique et chant classique, Réal revient dans sa région natale où, pendant ses études universitaires, il enseignait déjà au Collège d'Alma et à l'Institut des arts à Jonquière, réservant ses fins de semaine pour assumer une charge à mi-temps à la commission scolaire Chauveau. L'enseignement lui tient à cœur, principalement la guitare classique au cégep d'Alma, mais aussi dans différentes écoles et camps musicaux. Il choisit le Saguenay-Lac-Saint-Jean, même si d'autres opportunités lui sont offertes. Initier les jeunes à la musique est essentiel pour M. Simard. Et si la musique classique demeure importante, il se réjouit d'une perception plus ouverte à l'égard des styles, moins sectaires que dans les années 1970, où musique classique et musique populaire s'opposaient comme l'eau et le feu. Une ouverture favorable à l'émergence de musiciens, n'hésitant pas à explorer, à créer, à marier, à métisser les musiques. En cette ère où les diffuseurs en quête de codes d'écoute réduisent l'espace musical des classiques et des opéras et les captations de concerts de grande qualité produits en région, il croit que l'enseignement est le garant de la survie de nombreux musiciens en région. Ce lien entre le maître et l'élève permet à chacun d'évoluer hors des institutions, selon son goût, son caractère distinct. Ne l'a t-il pas démontré lui même, comme directeur du département de musique du Collège d'Alma pendant de nombreuses années et fondateur du groupe Estampi, spécialisé en musique de la Renaissance et du Moyen-Âge, regroupant Jean Tousignant, Louise Doré, Louise Marchand et Jean-Guy Côté. Jusqu'en 1996, Estampi a sillonné les scènes du Québec avec succès, le tout se concluant par la réalisation d'un album en 1993. Après dix ans de silence, Estampi a refait surface le temps d'un concert-bénéfice organisé par les productions Denise Boileau. Membre fondateur de Concerto, diffuseur de musique classique à Alma, membre du groupe L'Accordé, formé de huit guitaristes et de l'ensemble Guiterme, Réal Simard est également un passionné du chant lyrique. Membre du Quatuor à quatre voix, Soliste dans plusieurs opéras produits par le Cégep d'Alma et par la Société d'Art Lyrique du Royaume, il a été un fervent interprète au temps des opérettes du Carnaval Souvenir de Chicoutimi. Plusieurs fois membre du jury du Festival de Musique du Royaume et du Festival de la Chanson de Saint-Ambroise, ainsi que de celui du ministère de la Culture pour l'attribution de subventions, il a participé à de nombreux comités. Et fait partie de conseils d'administration d'organismes régionaux et provinciaux. Aujourd'hui retraité, il s'offre le plaisir d'assister aux concerts de ses musiciens qu'il a contribué à former. Après une vie consacrée à nourrir l'oreille musicale des jeunes, il se consacre à alimenter les personnes âgées comme bénévole baladeur pour la popote roulante des cinq cantons. Une initiative aussi savoureuse que chaleureuse. Mesdames et Messieurs, en ce 14 juin 2019, M. Réal Simard, musicien, chanteur et professeur, fondateur du groupe Estampi pour sa contribution exceptionnelle à l'enseignement et à la promotion de la musique, est reçu membre de l'Ordre du Bleuet. Mme Christiane Laforge, membre de l'Ordre et marraine d'honneur, va remettre à M. Simard son certificat d'honneur. Et M. Réjean Gauthier partage ce parrainage, mais malheureusement, il ne peut pas être avec nous ce soir. Il est, vous le connaissez peut-être, il est au Théâtre Micmac, il est à une réunion de l'Association des théâtres amateurs du Canada et j'imagine qu'il va re revenir avec deux ou trois trophées. Il a une bonne raison. Alors, euh, merci euh, d'accueillir donc Madame Laforge et euh, Monsieur Simard.